Ta cochenille. Voilà, exactement. Une petite bête séchée. Et le bleu. Cette époque. Cobalt. Non, lapis lazuli. Qui vient, qui venait à cette époque de l'Afghanistan. Imaginez-vous, c'était très 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 cher le bleu. Le rouge non, hein, c'est pour ça que le Moyen-Âge était entièrement rouge. Voilà, le bleu. Là, c'est une presse qui met de la pression avec une grande vis. Ça veut dire que quand je mets la pression, je tourne quelque chose. Et quand je vais imprimer, je tourne quelque chose, ça ne peut pas marcher. Ça va me déchirer le papier. C'est pour ça que Gutenberg, il a pensé, il a réfléchi, c'était l'ingénieur Gutenberg. Et la platine, là, la force, elle est transmise par un cône. Donc une superficie très 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 petite. En plus, les accros, ils tiennent la platine, comme ça elle ne peut pas se tourner. Ça, c'était l'idée de Gutenberg. Et voilà. Maintenant, on va imprimer une page de la D42. On devient de plus en plus nombreux là. Il y a la moitié du musée. Voilà. Attention. Ouais. Voilà. Voilà. Regardez. Imprimé comme Gutenberg, c'était le début de l'évangile selon Saint Jean, évidemment. Johannes Gutenberg, Saint Jean. Et maintenant, les latinistes, ça commence là. A principio etat verbo. Au début, était le verbe. Verbo etat apud Deo. Et le verbe était Dieu. Voilà, très bien. Ça, je vous le donne, c'est un souvenir pour le groupe. Et pour voir qui va le garder, peut-être ce soir quand vous jouez au bingo, hein. Le gagnant. Voilà, vous avez encore des questions en ce qui concerne la technique de l'imprimerie. Je vous ai démontré. On montre ici, pardon. Okay.